Bonjour Julie Massé. Bonjour Mélanie. Pour le printemps, Monsieur Armani présente Si Haute Toilette. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez abordé cette nouvelle création ? L'eau de parfum Si est un jus avec une signature très forte. L'eau de toilette Si s'inscrit dans sa continuité. On a apporté un éclairage différent sur la féminité du Si pour avoir un jus avec plus d'éclat, plus de fraîcheur, qui est encore plus épuré. Et cette fois-ci, quelle facette du chypre avez-vous travaillé dans cette version Haute Toilette ? Le chypre est un accord très contrasté, qui joue avec l'ombre, la lumière, le féminin, le masculin. Si joue avec deux couleurs, le nude et le noir. Dans Si Haute Toilette, on a fait part belle au nude, pour plus de féminité, plus de légèreté, plus d'éclat. Nous avons aussi marié la poire au cassis, en tête, pour plus d'éclat, plus de croquant, plus de pétillance, plus de transparence. Aujourd'hui, il existe trois variations de Si. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? L'eau de parfum Si est un contraste entre le nude et le noir. Les déclinaisons, c'est un jeu de curseurs entre ces deux couleurs. L'eau de parfum intense faisait part belle au noir, pour un jus plus patchouli, plus vanigousse, plus baumé. L'eau de toilette Si, à l'inverse, fait part belle au nude. On a un jus qui est plus floral, plus féminin, avec plus de fraîcheur, plus d'éclat. Le jus est travaillé comme un voile. Et en quoi Si Haute Toilette pourrait être le premier grand classique que l'on choisirait de porter ? On sent en le portant qu'il a l'étoffe d'un grand classique. L'eau de toilette Si a été travaillée avec un chypre encore plus épuré. Ce pourrait être le premier chypre d'une jeune femme. On a tendance à dire que quand on commence à porter un chypre, on revient toujours vers cette famille olfactive. Et pour finir, est-ce qu'il y a un si que vous aimeriez partager avec nous ? À plusieurs. Si à la joie, si à l'amour, si au partage.